spatial représente le danger. Les gens sont... C'est une meme particulièrement hideux. Tu penses me faire peur avec ces deux outres à bain? Tu connais mal mon frère et tout Regarde ça.
moi. J'ai dit que je voulais tout ton argent. Mais je ne vais pas me laisser maltraiter. Ah, je vois. Et je ne dirai rien. Que vas-tu penser là? S'il chargeait. J'avais prédit que quelqu'un viendrait à mon aide. Je tire les cartes pour les puissants de ce monde. Et maintenant, certains me veulent du mal, car ils pensent que je les influence. J'ai vu mes ennemis dans un rêve. Escortez-moi, je ressentirai leur présence. Vous, citoyens, vous vivez vos derniers instants. Quoi ? Citoyenne, je sens que votre mari a une maîtresse. Qu'est-ce qui a proposé cette rêve ? L'un des meurtriers venait de la campagne. Oui, une sorte fermier. Il est dangereux. Je sens une présence maléfique. Oui, il est tout proche. Je suis certaine. C'est lui. L'ami, il dit la poids d'un coquin. Il va se rompre le coup. Les derniers événements par là. Il ne s'est juste pas. Fiche le camp. Pour la révolution. La fin a été rapide, j'espère. Quelle bravoure! Je m'en souviens maintenant. Un soldat venu me tuer. Chercher un homme en uniforme. Peut-être qu'ils sont heureux à l'intérieur. Une voix me le murmure à l'oreille. Un homme animé de mauvaises intentions est tapi à l'est d'ici. Non, à l'est ou au nord, ce n'est pas clair. Peut-être même au sud. C'est lui, tel que je l'ai vu dans mon rêve. Viens ici, espèce de lâche! Et tout de suite! Tu tiens sur moi! Je suis derrière vous! Tiens mon autre bâtiment!
chemin vers l'au-delà. J'ai la ferme impression qu'un homme de loi cherche à me faire du mal. Juriste, je suis un homme animé d'une violence inouïe. Là, oh, je vous demande pas. Rejoins le cœur invisible. Allons, gentilhomme. Ne vous faites pas timide. Il n'y a aucun mal à regarder. Et pour quelques pièces, vous pourriez même satisfaire votre curiosité. Personnage louche. Oui, je le vois dans mon esprit. Un homme corrompu, un bandit. Venez, nous entoure, telle une brume diabolique, même à cet endroit précis. Vous, les fanatiques, vous êtes en train de détruire la France. C'est l'homme de Meston. Venez me rendre visite. Je vous tirerai les tarots. Votre avenir est plein de promesses. J'en suis certaine. Thank you.
Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Je crois que... Il s'est évaporé. Qu'est-ce que...
Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Allez ! On meurt ! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie ? Il a tué Monsieur de la Serre ! Sois patient, Siver n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Bien. Le conseil attend notre rapport. Tu es à moi ! Lance une bombe fumigène ! Ne laissez pas vous procéder ! Ah, il a disparu. Tu n'iras nulle part. Je suis toujours là. Moi, je préférerais mourir en me battant. Merde, les patriotes. Ces abrutis veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon ? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes.
l'or des plats de Moguer. Comment tout le monde Amy a trouvé le corps de Monsieur Arpinon dans une cour à deux pas d'ici. Je suis fait égorger. Dispersez-vous les gars. Tu veux faire une pause ? Je ménage ton vieux cœur usé. Cela fait un an qu'on n'a pas vu Sivert. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? C'est pas le bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il disparaît de nouveau? S'il se tient au programme qu'on a trouvé, il sera demain à Notre-Dame. Tu aurais pu me le dire plus tôt? Et maintenant, que fait-on? On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Trois autres Templiers ont été tués. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89. Se prendre en grand tour de paix. Ils se croient capables de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la Révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques de Molay. Et nous faisons la chasse à de misérables contrebandiers. Tout ça parce que Mirabeau... Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Arpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Sivert. Sivert était là-bas? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris.
et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Viens avec moi, la confrérie a besoin de toi. Huh?